Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore une nouvelle semaine d'actualité sur TV Plus Madagascar que je vous invite à suivre chaque jour. Voici donc les titres. Trois personnes ont été confirmées écrasées par un camion Bendaf transportant de la terre lors d'un accident à la Soura hier, 12 février. L'une des victimes est décédée après avoir été hospitalisée. Selon les informations, d'après les constats, le véhicule avait un problème technique, ce qui aurait causé cet accident. Le président de la République, André Duel, a répondu présent à l'invitation de la Conférence des évêques de Madagascar pour l'intronisation de l'évêque de Mahajanga, Mgr Zygmunt Rubashkevich, hier devant la cathédrale de Mahajanga. Même à la veille de la célébration de la fête des amoureux, la majorité des couples ne sont plus attirés par les achats de cadeaux à offrir à l'être aimé pendant la Saint-Valentin, d'après une opératrice économique dans le domaine commercial. Or, lors des précédentes années, les articles de cadeaux et les autres produits si apparents se vendaient comme des petits pains bien des jours avant la fête de la Saint-Valentin. En Ukraine, dans la région de Donetsk, la population tente de survivre alors que la Russie continue d'intensifier ses attaques dans la région. Alors, ce soir, trois personnes ont été confirmées écrasées par un camion Bendaf transportant de la terre lors d'un accident à la Soura hier, 12 février. L'une des victimes est décédée après avoir été hospitalisée, selon les informations. D'après les constats, le véhicule avait un problème technique, ce qui aurait causé cet accident. Une enquête est en cours pour savoir si ce camion disposait d'une autorisation pour la terre qu'il transportait. Le conducteur du véhicule est toujours détenu en garde à vue au commissariat de police d'Ala Soura dans l'attente des conclusions de l'enquête. L'État ikrasien Djatitouir Nefet Chandiamananzar. Le tronçon de la voie rapide du bypass au niveau du service des domaines dans la commune d'Ala Soura a été le théâtre d'un accident de la circulation vers 7h du matin hier. Un vieux camion Bendaf transportant de la terre, dont les freins ont lâché, a foncé sur un moto près duquel marchaient trois piétons. Le bilan n'est pas réconfortant car les victimes, dont deux femmes qui se rendaient au culte dominical, s'étaient fait renverser par le camion. Un adolescent a été le plus gravement touché. La partie inférieure de son corps est restée piégée sous le mastodonte et les décombres, et il a fallu appeler les pompiers pour désincarcérer la victime. Les médecins de la GRA ont réussi à stabiliser l'état des victimes. Vers le début de soirée hier, deux des victimes de cet accident ont été admises au bloc opératoire de ce centre hospitalier universitaire d'un PEFLOU. L'une d'elles a pu être sauvée, mais l'autre est décédée après les interventions chirurgicales qu'elle a subies, selon les informations. Le corps du défunt, un garçon de 16 ans, n'a pas encore été récupéré par sa famille, d'après les informations émanant de l'hôpital. Tous les papiers du véhicule sont en règle. Il reste à savoir si le transport de la terre par le camion était légal ou pas, selon les explications du commissaire de police d'Ala Soura, Ravilson Zaka Arvouni. Le conducteur de ce camion a été détenu en garde à vue au commissariat de police d'Ala Soura. Dans l'attente du dénouement de l'enquête, le commissaire d'Ala Soura en appelle à la vigilance des conducteurs pour prévenir les accidents comme celui-ci. Le président de la République, André Duel, n'a répondu présent à l'invitation de la Conférence des évêques de Madagascar pour l'intronisation de l'évêque de Mahajanga, Mgr Zygmunt Rubashkevich, hier devant la cathédrale de Mahajanga. Lors de son allocution, le chef de l'État n'a pas manqué de souligner le dévouement dont fait preuve l'Église catholique à Madagascar dans ses actions pour le bien-être de la population, et cela dans de nombreux secteurs, ayant toujours été aux côtés de l'Église catholique. André Duel a réitéré le soutien de l'État aux efforts de cette institution religieuse œuvrant pour le bien de l'humanité. Le détail avec Thierry Nadoni.
La lecture de la lettre de sa sainteté, le pape François, désignant Mgr Zygmunt Trobaskiewicz, ancien évêque de Murmbe, évêque du diocèse de Madang, a précédé la passation de la crosse du Nonce apostolique à ce dernier. Ce geste hautement symbolique marque son intronisation en tant qu'évêque du diocèse de Madang, une fonction qu'il assurera à partir du dimanche 12 février 2023. Cette circonscription ecclésiastique n'avait pas été sous la direction d'un évêque depuis 4 ans. Son intronisation a été célébrée en grande pompe devant la cathédrale de Mazang, Fou Madiun Mari. Merci d'être là, Son Excellence le Nonce Apostolique. Peu de temps après votre arrivée, vous participez déjà à l'ordination épiscopale de Son Excellence Mgr Donatien Rademalala, évêque d'Ambanza, et à cette installation de Son Excellence Mgr Zygmunt. Deux événements ecclésiaux qui répondent déjà à la demande qui revient à plusieurs reprises lors de la phase diocésienne et nationale de notre synode. Le président de la République, André Duel, n'avait été personnellement invité par la conférence des évêques de Madagascar à honorer de sa présence l'événement. Il avait également prononcé un discours devant l'Assemblée à la fin de la célébration. C'est avec joie que je célèbre cette messe d'intronisation, selon le chef de l'État dès le début de son discours. Il qualifie l'intronisation d'événement de rassemblement et de début d'une nouvelle histoire pour la foi catholique à Madang. Il n'a oublié de féliciter ni le nouvel évêque de Madang ni toute la grande famille de l'Église catholique de Madang. On attend beaucoup de la clairvoyance et de l'admonition de Mgr Zygmunt Trobaskiewicz, selon encore le chef de l'État. Comme à chacune de ses prises de parole, le président Raduel n'a pas manqué de souligner le rôle majeur que tient l'Église catholique dans le développement et l'épanouissement de l'homme. Nous sommes tout conscients des efforts qu'a fourni l'Église catholique depuis toujours, a reconnu André Duel. Elle se démarque par la qualité de l'éducation qu'elle dispense, à commencer par l'enseignement dispensé dans les collèges, en passant par celui des lycées pour finir jusqu'à celui des universités dans tous les pays, poursuit-il. L'Église catholique participe également au sauvetage de nombreux patients grâce aux services de santé qu'elle offre à travers les cliniques dans tout le pays. L'Église catholique se retrouve même en première ligne dans la protection de l'environnement. Le président Raduel n'a personnellement encouragé l'Église catholique pour son engagement. André Raduel n'a réitéré le soutien de l'État aux efforts de l'Église catholique qui œuvre pour le bien du peuple malgache, un peuple béni de Dieu. La messe d'intronisation de l'évêque de Madang hier a clôturé la série de déplacements du président dans la région de Boueni. Le deuxième tour de l'élection présidentielle tombe en pleine période pluviale si on se réfère à la date de clôture du mandat du président en exercice actuel du 19 janvier 2024. D'après le porte-parole de la CENI, la période électorale ne devrait pourtant pas coïncider avec la saison des pluies selon la Constitution, raison pour laquelle la CENI a décidé de fixer le premier tour de l'élection pour le 9 novembre 2023 prochain, d'après les explications. Reportage sur le récit d'Elisa Herman sur les images de Mikar Nevdon. Le choix des dates d'élection présidentielle décidées par la CENI a fait l'objet d'une mûre réflexion, affirme le porte-parole de la CENI. La date du premier tour de l'élection présidentielle d'après la date de clôture du mandat du président en exercice actuel devrait se situer entre le 19 novembre et 19 décembre 2023. Si la CENI avalise cette date, le deuxième tour devra avoir lieu au mois de janvier de l'année suivante, déjà en pleine période pluviale d'après les explications. Il est primordial de définir le moment opportun pour que les électeurs puissent participer sereinement au vote, c'est-à-dire dans de bonnes conditions climatiques, mais également avant la période des fêtes de Noël ou de fin d'année, si la date du deuxième tour de l'élection présidentielle est fixée pour le 20 décembre 2023. Mettre les candidats au même niveau est également important pour qu'ils puissent mener à bien leur campagne de propagande à travers leurs déplacements dans tout Madagascar. Qu'importe les moyens de déplacement utilisés, qu'ils soient terrestres, aériens ou maritimes, d'après toujours les explications.
La CENI a également tenu à souligner qu'elle était indépendante dans la détermination de la date de l'élection présidentielle. C'est la CENI qui se concerte et qui décide de la date de l'élection. Le gouvernement, quant à lui, se contente à la publication des arrêtés, d'après les dires de Souave Anjabartafk, porte-parole de la CENI. Nous continuons le journal. Même à la veille de la célébration de la fête des amoureux, la majorité des couples ne sont plus attirés par les achats de cadeaux à offrir à l'être aimé pendant la Saint-Valentin, d'après une opératrice économique dans le domaine commercial. Or, lors des précédentes années, les articles de cadeaux et les autres produits si apparents se vendaient comme des petits pains bien des jours avant la fête de la Saint-Valentin. Mais actuellement, même à la veille de la célèbre fête des amoureux, cette opératrice a enregistré seulement une dizaine de clients, d'après ses explications, et cela malgré une réduction des prix jusqu'au moins 80%. Même la vente des articles plutôt bon marché comme les t-shirts assortis pour couples laisse à désirer. Yantara Rasou et Omega Nevzon. Les boutiques qui proposent des offres spéciales pour la Saint-Valentin ne connaissent pas encore une forte affluence, même à la veille de cette fameuse fête, selon une opératrice économique qui travaille dans le secteur du commerce. En effet, la plupart des couples ne s'intéressent plus aux achats de cadeaux à offrir à leur partenaire le jour de la Saint-Valentin, à en juger par ce qui se produit maintenant. Cette boutique, qui habituellement chaque année à la même période, arrivait à liquider presque la totalité des articles de cadeaux qu'elle importe, bien des jours avant le 14 février, n'a accueilli pour l'occasion cette année que seulement une dizaine de clients jusqu'à ce jour, la veille de la fameuse fête des amoureux. Même les produits abordables comme les t-shirts pour couples n'intéressent pas les acheteurs. La baisse considérable du pouvoir d'achat de la plupart des Malagas serait la principale cause de cette baisse des ventes, d'après les suppositions de cette opératrice économique. Ce sont surtout les hommes qui se montrent réticents à acheter des cadeaux pour leur conjointe, petite amie ou compagne, d'après toujours les observations des responsables de boutique. Par contre, les femmes, moins nombreuses qu'à l'accoutumée pourtant, malgré l'application de remises jusqu'à moins 80%, achètent quand même des cadeaux tels que des montres pour leurs bien-aimés, mais bon nombre d'entre elles achètent des cadeaux qu'elles offrent à elles-mêmes. Une situation qui reflète les difficultés financières que rencontrent actuellement la plupart des ménages. Question santé. Le traitement d'un nombre considérable de patients à Madagascar nécessite des interventions chirurgicales coûteuses. Les patients qui, pour la plupart, n'ont pas les moyens de s'acquitter des frais médicaux, rechignent à se rendre dans les établissements qui doivent les prendre en charge. Raison pour laquelle des campagnes de soins et de chirurgie gratuite ont été mises en place, surtout dans les zones rurales à travers une collaboration entre le ministère de la Santé et un organisme privé. Romy Armanan et Fetchandia Manandar nous livrent les détails. L'association Médecins de l'Océan Indien, avec la collaboration des hôpitaux publics du district d'Ambouch, envisage d'organiser une mission humanitaire, médico-chirurgicale et dentaire à Ambouch. Elle est programmée de 20 février au 1er mars 2023. Elle verra la participation d'une cinquantaine de missionnaires. Cette mission sera scindée en deux parties, une délégation hospitalière assurant la chirurgie, l'ophtalmologie, l'optique, la cardiologie, la gastro-entérologie et l'échographie œuvrant exclusivement au centre hospitalier régional de référence du district d'Ambouch. Une autre, la délégation itinérante, composée de médecins généralistes, d'une pédiatre, de 5 chirurgiens dentistes, avec leur équipe de prothésistes et d'une antenne de chirurgie ambulatoire qui travaillera sur Ambouch et ses bourgades périphériques dont Tarasoch, Ivat, Centre et Mernaïmadi. L'objectif de cette campagne est qu'environ 12 000 personnes bénéficient de soins gratuits à Ambouch. C'est maintenant l'heure des actualités internationales. En Ukraine, dans la région de Donetsk, la population tente de survivre alors que la Russie continue d'intensifier ses attaques dans la région. Les détails sur France 24. Libérée en septembre, cette ville du nord de Donetsk garde les stigmates de ses combats. Les rares habitants qui sont restés se rappellent de leur vie d'avant. On avait une si belle mairie.
Ils ont tout détruit. Ici, les habitants n'ont plus rien. Seule l'ONG World Central Kitchen et ses bénévoles se relaient pour aider les gens présents sur place. Mais cette aide bienvenue peut paraître bien maigre face à la détresse des habitants. C'était terrifiant, vous savez, terrifiant. Je ne sais pas quoi faire. J'aimerais tellement retrouver la paix. Je suis née pendant la Seconde Guerre mondiale et je mourrai pendant cette guerre. Pourquoi ? Dans la région de Donetsk, les habitants ressentent de plus en plus les coupures d'électricité et les pénuries, alors même que la Russie continue d'intensifier ses attaques dans la région. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On se revoit tout de suite dans le journal en version Malagasy. Au revoir. We'll be right back.